Pourquoi le Canada a-t-il si peu d'habitants ? Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, et bien qu'il ait une surface totale quasiment égale à l'Europe, sa population est, elle, d'un peu moins de 39 millions, soit quasiment deux fois moins que la France, avec 68 millions, mais également moins que l'Espagne, qui compte 48 millions d'habitants. Mais pourquoi ? Tout d'abord, seulement 4,3% des terres canadiennes sont propices à l'agriculture. Cela est dû au fait que le Canada est situé sur le bouclier canadien, un plateau rocheux qui rend l'agriculture presque impossible. Cela a entraîné la concentration d'une vaste majorité de la population très proche de la frontière des États-Unis, comme reflété par l'emplacement de ses 10 plus grandes villes, qui, hormis Edmonton, y sont toutes extrêmement proches. Mais pour être plus précis, plus de 70% des Canadiens vivent au sud de cette ligne, ou plus extrême encore, 50% de la population du Canada vit au sud de celle-ci. La principale raison est que cette région possède les meilleures terres agricoles, ainsi que le meilleur climat de tout le Canada, en partie grâce au Grand Lac, ce groupe de 5 vastes lacs situés sur la frontière entre le Canada et les États-Unis.